Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. J'ai commencé aujourd'hui un nouveau coloriage dans le livre The Inspiration de Julia Spiri. Donc c'est celui-là, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps que je vous l'ai présenté. Donc c'est des coloriages avec du grayscale, voilà. Je suis soufflée, désolée, j'ai monté mon escalier. Donc avec du grayscale. Donc grayscale, c'est ça, hein, c'est avec les ombres faites en gris, voilà. Pour celles qui ne connaissent pas. Donc j'ai commencé aujourd'hui à faire un coloriage dans ce livre. Nickel, comme d'hab. Hein. Bon, je vais pas vous le montrer là parce que sinon je vais vous spoiler la vidéo. Alors là, j'ai fait d'abord le fond. Je l'ai fait au crayon. Là, j'ai fait le fond au crayon. Je voulais pas le faire en pastel ni rien. Je voulais que ça reste assez doux. Donc je l'ai fait au crayon. Vous verrez dans la vidéo sur mon fond, je fais des petits pointillés. Mais alors c'est vraiment léger. Avec mon stylo gel blanc. Donc, dans la vidéo, je ne sais pas si ça se voit vraiment beaucoup. Et dernière petite touche que je n'ai pas encore fait dans mes coloriages, c'est au niveau du visage, donc au niveau de la bouche, sur le maquillage, je me suis servi de mon stylo... je ne sais plus le nom, j'ai plus le nom en tête, je vous le marquerai en barre d'infos, mais ça fait des paillettes. Voilà, c'est un stylo pinceau, voilà, c'est un stylo pinceau et qui fait des paillettes. Je vais vous remettre le nom. Hein. Je vous mettrai également en barre d'infos si vous voulez le retrouver. D'ailleurs, moi, il faut que je m'en rachète un parce qu'il commence à être à la fin. Donc j'ai mis des petites paillettes sur sa bouche. Voilà. Donc ça c'est une chose que j'avais pas encore faite sur mes coloriages. Mais là bon ben j'aime bien, ça fait beau. Donc sur ce coloriage j'y vais. Donc le fond est fait, le visage, le maquillage et le là on lui voit le cou, les épaules, ça c'est fait. Donc il me reste plus qu'à lui faire les cheveux. Et elle a des feuilles dans les cheveux, donc il me restera ça à faire. Donc c'est un coloriage qui cette fois va assez vite quand même à colorier. Donc vous n'aurez que deux vidéos dessus. J'ai oublié de dire dans la vidéo, vous allez peut-être le voir que j'ai mis un genre de scotch en haut et en bas, en haut et sur le côté, pardon, pour laisser ma bande blanche autour du dessin et que je ne dépasse pas au niveau du coloriage quand je fais le fond. Alors, j'arrivais pas à trouver mon rouleau de... Je sais qu'il est ici quelque part, de toute façon. Je ne sais même pas s'il n'est pas là. Non, je ne sais pas où il est. Mon rouleau de... Ah, ben le voilà. C'est ça que je cherchais. Ben voilà, je l'ai. C'est comme un scotch qu'on met. Mais vous savez, quand vous faites la peinture, que vous mettez autour de vos carreaux pour ne pas peindre sur le carreau. Voilà. Donc moi c'est ça que je cherchais mais je le trouvais pas et donc j'ai mis du micropore, vous savez qu'on fait les pansements, donc j'avais mis du micropore autour de mon dessin. Par contre faut faire très attention quand on le décolle, faut y aller en délicatesse parce que moi j'ai pas été... il y a un petit moment où j'ai pas été en délicatesse, j'ai arraché un petit peu mon papier, mais bon c'est pas grave, je vais remettre autour du washi tape, voilà. Puis ça se verra plus. C'est pas grave. De toute façon, le livre, c'est à moi. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà. Mais c'est ça que je cherchais pour mettre autour de mon dessin. Voilà. Parce que ça, on peut le coller dessus. Voilà. J'essaye. Hop, je colle, je décolle. Et il n'y a pas de problème.
Voilà, d'ailleurs je vais le descendre, comme ça je l'aurai avec moi en bas. Donc ça vous pouvez, donc celui-là je l'avais trouvé à Action, hein. Donc je ne sais plus à quel prix, hein, mais c'est pas cher. Hein. Donc, moi j'avais pris celui-là, le violet. Si vous avez peur que ça colle trop, vous faites un, voilà, vous faites un peu sur votre main, et puis après vous collez sur votre, vous mettez sur votre votre feuille. Voilà, le fait de passer un petit peu sur votre main, ça enlève un peu l'adhésif. Et comme ça, vous, si vous avez peur que ça arrache votre papier, mais normal, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà, donc demain je vais terminer ce coloriage. Je vous dis, il n'y a plus grand chose à faire, plus que à faire les cheveux et les feuilles. Voilà. J'ai déjà bien aimé à faire et j'ai aimé faire le fond. Je commence à aimer à faire les fonds. Voilà. Là, bon, celui-là, je me suis un petit peu éclatée, je vous dis, en faisant les petits points avec mon gel blanc. Bon, je vous dis, moi, je le vois bien là, quand, avec les yeux dessus, mais en vidéo, je ne sais pas si vous allez bien me revoir. Bon, enfin, on verra bien. Dites-le-moi, si vous le voyez sur la vidéo, si vous voyez bien les petits points blancs ou pas. Sinon, ben, rien de neuf. J'ai commencé à continuer. J'ai commencé à continuer. Non, j'ai continué mon nuancier. Voilà, là, je suis sur les bruits de funère. Donc, ils sont très... Il y en a quand même 180 à faire. Je vais continuer ce soir à les faire devant la télé. Et puis j'en ferai un peu aussi avec vous. Et puis je vous montrerai du coup ce que j'ai fait sur mon nuancier. Voilà, j'ai pas encore fait les feutres à alcool. Je pense que les feutres à alcool, je les ferai en dernier. Puisque c'est celui qui va être le plus galère à faire. Donc je le ferai en dernier. Allez, je vous laisse visionner cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, je vous fais... plein de poutou-poutou. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Bon visionnage.